Dans un instant, le journal des sports de Rudy Dahan. Rudy, de quoi allez-vous nous parler? Bien entendu, de l'Olympique de Marseille. Je laisse un peu de suspense, hein, c'était en Coupe de la Ligue. Vous le verrez, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour les Marseillais. Des buts, allez, mais ce sera juste après le buzz du jour. Le buzz du jour, on va peut-être le voir s'afficher. Ça s'appelle le guide international pour résoudre les problèmes. C'est l'œuvre d'un graphiste français, Jérôme Vadon. Il nous explique avec des schémas simples comment chaque pays tente de résoudre des problèmes à sa façon. Tout cela avec beaucoup d'humour. Vous allez le voir notamment pour ce premier exemple. Les Allemands, c'est simple avec les Allemands. Il y a un problème, il y a une solution. Pour les Américains, par contre, la solution, ça passe par l'armée. Les bombardements, on fait référence évidemment à l'Irak et à d'autres événements. Pour les Chinois, au contraire, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, il n'y a que le régime l'interdit de toute façon. En Irlande, la solution, ça passe par des pintes de bière, bien évidemment, mais après, on ne sait plus trop si c'est un problème ou une solution. Pour les Espagnols, c'est la sieste, même si le problème demeure. Et pour les Belges, la solution devient un problème, carrément. En Corée du Nord, vous le voyez, les problèmes et les solutions, tout cela dépend du commandant suprême, Kim Jong-un. Enfin, pour les Français, là, ça fait mal. Lorsqu'ils ont un problème, ils cherchent la route la plus compliquée avant de faire grève, de manifester. Et au final, le problème est toujours là. Il y a même des problèmes, bien entendu. Il s'agit là d'une caricature. On passe au journal des sports de Rudy Dahan. Pisoni, spécialiste de l'affichage publicitaire, vous présente le JT Sport. On va directement attaquer, Rudy. Hein. Oui, bonsoir Julien. On va attaquer avec l'Olympique de Marseille qui jouait ce soir un huitième de finale de la Coupe de la Ligue face à Toulouse au Stade Vélodrome. Et bonne nouvelle pour les Olympiens qui s'imposent 2-1. Le premier but, on le voit sur ces images, il est signé Benjamin Mendy. Hein. Il profite d'une déviation de la tête d'André-Pierre Gignac, Benjamin Mendy, pour ouvrir la marque. C'est ensuite cet André-Pierre Gignac qui est victime d'une faute dans la surface. Regardez, on la voit cette faute, c'est Olivier Blondel qui essaye de récupérer le ballon. Eh bien non, malheureusement, il prend la cheville d'André-Pierre Gignac qui se fait justice lui-même pour inscrire le deuxième but de cette rencontre. Ce sera finalement Spajic, ce défenseur, qui marquera le seul but toulousain de la soirée. Le but qui ne suffira pas à Toulouse hein, pour revenir au score, puisque au bout des 90 minutes, l'OM s'impose 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. C'est une très bonne nouvelle, mon cher Julien. Et les twittos, ils en pensent quoi de ce match? Eh bien, justement, l'OM s'est fait peur quand même hein, sur ce match. Oui. Il y a cette réaction de God Bless l'OM qui nous dit un jour, il faudra savoir faire le break. C'est vrai que l'OM a du mal à faire le break. Alors, attendez, hein, déjà, on commence par gagner des matchs, même d'un but. Après, on verra pour le break. Hein, tant qu'il gagne, moi, ça me dérange pas, le break ou pas le break. Et autre réaction, celle-ci est rigolote. C'est Rubin qui nous dit, le mec de France 3 PACA a appelé Lionel Jaffredo, l'arbitre Monsieur Lannoy, pendant 1h30. Télévision régionale, mon amour, c'est pas gentil pour la télévision régionale dont nous faisons partie. Ouais, ouais, nous regarde, hein, Rubin, on ne se trompe jamais sur les arbitres. Peut-être sur d'autres choses, mais pas sur les arbitres. Voilà, puis pour terminer, John Edward qui nous rappelle qu'il s'agit là de la première victoire de José Anigo pour cette saison, ce début sur le banc olympien. Oui, c'est bien. En tout cas, c'est bien pour José Anigo. On ne sait pas s'il restera pas, mais en tout cas, c'est une victoire et ça fait toujours plaisir. On passe au handball à présent avec les quarts de finale qu'ont joué les filles de l'équipe de France aujourd'hui. Un quart de finale hein, qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'était cet après-midi face à la Pologne hein, dans une Coupe du Monde. Je vous laisse découvrir le résumé de cette rencontre. C'est invaincu et favorite pour cette rencontre que l'équipe de France jouait un quart de finale de Coupe du Monde ce soir face à la Pologne. Pour Alain Porte et ses filles, un seul objectif, surprendre les Polonaises en innovant. Un plan qui n'aura fonctionné que pour le premier quart d'heure puisque les Français se sont vite vus prendre du retard avec un plus 4 à la 20e minute. Un score qui n'évoluera guère jusqu'à la pause, 11-8. Du coup, le sélectionneur a bien compris qu'il fallait faire avec ses forces et revenir à la stratégie qui a fait grimper cette équipe de France jusqu'en quart. En face des Polonaises survoltées, dures de garder le rythme. La France s'est donc vue prendre l'eau avec 5 points de retard à 5 minutes de la fin de ce match. Mais voilà, entraînée par l'enjeu d'une demi-finale, les 5 dernières minutes ont clairement été françaises. Un point de retard seulement à 60 secondes du coup de sifflet final. C'est en fin de compte le manque d'expérience de cette jeune équipe de France qui aura eu raison des Bleus dans les dernières secondes. Score final 22-21. Au revoir donc une demi-finale. Au revoir la Coupe du Monde. On pourra finalement saluer cette équipe de France nouvelle mouture pour son parcours qui promet le meilleur pour la suite.
À noter ce soir, deux autres matchs pour nos équipes du Sud dans deux compétitions différentes. On commence avec Aix-en-Provence en LNH qui s'incline à la maison 22-27, tandis que Nîmes va s'imposer à Monaco. Et là, c'était pour la Coupe de la Ligue pour les 16e de finale, pour être plus précis. Et justement, Nîmes va bientôt affronter une autre équipe du Languedoc. Et oui, on s'approche du grand rendez-vous, du derby entre Nîmes et Montpellier. Vous le savez, depuis une semaine, les deux équipes se cherchent un peu, se titillent avec les défis du jour. On en a eu tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier, avant de passer aux choses sérieuses, aux avant-matchs, etc. Je vous laisse le découvrir. Il est assez sympa, celui-là. On préfère vous donner rendez-vous pour le derby le samedi 21 décembre à la Park & Suite Arena. Et là, il va y avoir du sport. Ah oui, on les a sentis vraiment à fond là. Il y a certains joueurs de foot tout ça, qui se reconvertissent dans le cinéma. Eux, vaut mieux qu'ils restent en balle. On est du ski à présent, avec des nouvelles moins réjouissantes de Tessa Worley. Nous vous en parlions hier, la championne de slalom s'est blessée à Courchevel, rupture des ligaments croisés avec lésion du ménisque. Adios Sochi, adios les Jeux Olympiques. Bonjour l'opération, très prochainement. Et pourtant, la belle Tessa Worley garde son sourire légendaire. Regardez. Je commence un petit peu à digérer, c'est vrai que je commence aussi à accepter la blessure, je pense que ça va prendre un certain temps parce que en quelques secondes un petit peu tout s'effondre, tous nos projets s'effondrent, il faut en refaire de nouveau. Donc voilà, c'est dur mais aujourd'hui ça va, je pense qu'il va forcément y avoir des hauts et des bas. J'ai vraiment vraiment envie de revenir à mon meilleur niveau, voire plus forte et puis dans les meilleures conditions. Donc j'ai des longs mois devant moi et la saison 2014-2015 est encore loin, donc ça me laisse du temps pour revenir en bonne santé. Et on termine avec une remise des trophées chez Midi Libre. 10e cérémonie des trophées des sportifs régionaux, c'est nos partenaires de Midi Libre. Deux grands vainqueurs pour cette soirée, Martin Fourcade, le champion de biathlon, et Yannick Agniel, le nageur natif de Nîmes. Mais devinez quoi, mon cher Julien, aucun d'entre eux n'était présent pour se voir remettre leur trophée. Le premier se prépare pour les JO de Sochi, le second révise ses gammes dans le Texas, Yannick Agniel. Ils sont donc excusés et félicitations à eux. Heureusement, Valérie Demory, l'entraîneur du BLMA, était là, mais bien là, hier soir, pour recevoir son trophée des mains de Roland Courbis. D'ailleurs, ce soir, Valérie Demory et le BLMA s'est incliné à la maison en Euroleague face à Cracovie 74-72. Il aura donc le trophée d'hier soir pour se consoler de cette défaite. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.